AQA, GCSE June 2018. French, Paper 1, Listening Test, Higher Tier. This is what you should do for each item. After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions and questions. Listen carefully to the recording and read the questions again. Listen to the recording again and then answer the questions. When the next question is about to start, you will hear a bleep like this. You may write at any time during the test. In section A, answer the questions in English. In section B, answer the questions in French. You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages. Write neatly and put down all the information you are asked to give. Ask any questions now. You must not ask questions or interrupt during the test. You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this time. You may open your answer book now. the test starts now section a questions and answers in english number one hassan a habité dans un petit appartement pendant cinq ans puis, il est allé vivre chez son oncle pendant deux mois, quand sa mère a perdu son boulot. Depuis quelques jours, il est SDF Number 1. Hassan a habité dans un petit appartement pendant cinq ans. Puis, il est allé vivre chez son oncle pendant deux mois, quand sa mère a perdu son boulot. Depuis quelques jours, il est SDF. 2. Hassan n'est pas le seul dans son lycée à être dans cette situation. D'autres jeunes de son école vivent dans la rue, comme lui, à cause du chômage de leurs parents. 2. Hassan n'est pas le seul dans son lycée à être dans cette situation. D'autres jeunes de son école vivent dans la rue, comme lui, à cause du chômage de leurs parents. 3. Le directeur a voulu faire quelque chose. Il a appelé un journaliste qui a écrit un article. Le directeur espère que cela va aider Hassan à trouver un logement où dormir. 3 le directeur a voulu faire quelque chose il a appelé un journaliste qui a écrit un article le directeur espère que cela va aider hassan à trouver un logement ou dormir 4. En juin, Hassan va passer son baccalauréat. Il voudrait le réussir, mais il ne sait pas si ce sera possible ou non. Son rêve, c'est d'aller à l'université un jour. 4. En juin, Hassan va passer son baccalauréat. Il voudrait le réussir, mais il ne sait pas si ce sera possible ou non. Son rêve, c'est d'aller à l'université un jour. 5. En ce moment, il y a de plus en plus d'étudiants qui font du travail bénévole ici au Québec et dans d'autres pays du monde. Quelquefois, ils connaissent les gens qu'ils aident, mais le plus souvent, ce sont des inconnus. 5. En ce moment, il y a de plus en plus d'étudiants qui font du travail bénévole ici au Québec et dans d'autres pays du monde. Quelquefois, ils connaissent les gens qu'ils aident, mais le plus souvent, ce sont des inconnus. 6. Pour faire une bonne première impression, appelez l'association caritative et prenez rendez-vous pour les rencontrer. Bien sûr, vous pouvez envoyer un courrier électronique, mais c'est moins mémorable. 6. Pour faire une bonne première impression, appelez l'association caritative et prenez rendez-vous pour les rencontrer. Bien sûr, vous pouvez envoyer un courrier électronique, mais c'est moins mémorable. Number 7 les associations demandent rarement aux étudiants de distribuer de la nourriture. Elles préfèrent qu'ils organisent des événements comme des tournois sportifs, car les billets se vendent bien. Number 7 Les associations Demande rarement aux étudiants de distribuer de la nourriture. Elle préfère qu'ils organisent des événements comme des tournois sportifs, car les billets se vendent bien. 8 Pour certains, un inconvénient, c'est de travailler sans recevoir de salaire. Mais il faut penser à l'aspect positif. Dans cette profession, il est possible de changer son emploi du temps à la dernière minute. 8. Pour certains, un inconvénient, c'est de travailler sans recevoir de salaire mais il faut penser à l'aspect positif dans cette profession il est possible de changer son emploi du temps à la dernière minute number 9 Ma mère est pénible. Si je porte quelque chose de nouveau, elle veut savoir où je l'ai acheté, combien ça a coûté. Et puis, elle le commande pour elle. J'aimerais qu'elle arrête de me copier. Je voudrais un tatouage à l'avenir. Mais ma mère ne sera jamais d'accord. Hier soir, quand elle a vu mon petit trou dans le nez, sa réaction a été horrible. C'était pire que quand j'ai changé de couleur de cheveux la semaine dernière. Number 9. Ma mère est pénible. Si je porte quelque chose de nouveau, elle veut savoir où je l'ai acheté, combien ça a coûté. Et puis, elle le commande pour elle. J'aimerais qu'elle arrête de me copier. Je voudrais un tatouage à l'avenir. Mais ma mère ne sera jamais d'accord. Hier soir, quand elle a vu mon petit trou dans le nez, sa réaction a été horrible. C'était pire que quand j'ai changé de couleur de cheveux la semaine dernière. Number 10. Moi, je n'ai pas le droit de sortir sauf le week-end, mais seulement pour aller voir mon meilleur ami. Mes parents ne me font pas confiance. Ils lisent les textos qu’on m’envoie Number ten. Moi. Je n'ai pas le droit de sortir, sauf le week-end, mais seulement pour aller voir mon meilleur ami. Mes parents ne me font pas confiance. Ils lisent les textos qu'on m'envoie. Number 11. Chez nous, les disputes sont entre ma mère et mon frère un soir sur deux quand elle lui demande de l'aider. Il trouve ça injuste et c'est ma mère qui doit tout faire. Elle devrait le punir, mais ce n'est jamais le cas. Number 11. Chez nous, les disputes sont entre ma mère et mon frère un soir sur deux quand elle lui demande de l'aider. Il trouve ça injuste et c'est ma mère qui doit tout faire. Elle devrait le punir, mais ce n'est jamais le cas. Number 12. Quand vous partagez des photos, respectez le choix de vos amis qui n'aiment pas être identifiés. Ne le faites pas si vous n'avez pas leur permission. Number 12. Quand vous partagez des photos, respectez le choix de vos amis qui n'aiment pas être identifiés. Ne le faites pas si vous n'avez pas leur permission. 13. Quand on se connecte pour la première fois, c'est obligatoire de donner des détails personnels comme son nom et quand on est né. Par contre, dire son lieu de naissance et l'établissement où on est élève, ça, c'est inutile. Number 13. Quand on se connecte pour la première fois, c'est obligatoire de donner des détails personnels comme son nom et quand on est né. Par contre, dire son lieu de naissance et l'établissement où on est élève, ça, c'est inutile. Number 14. Il faut avertir un adulte si vous voyez des commentaires désagréables, comme des injures par exemple. Les incivilités ne sont pas acceptables sur les réseaux sociaux. Number 14. Il faut avertir un adulte si vous voyez des commentaires désagréables, comme des injures par exemple. Les incivilités ne sont pas acceptables sur les réseaux sociaux. Number 15. Si vous écrivez quelque chose que vous regrettez ensuite, pas de panique. Vous pouvez supprimer votre message facilement. Quand il est effacé, on ne peut plus le voir. Number 15. Si vous écrivez quelque chose que vous regrettez ensuite, pas de panique. Vous pouvez supprimer votre message facilement. Quand il est effacé, on ne peut plus le voir. Number 16. et ton entretien comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu d'entretien je ne savais pas comment bien m'y préparer la veille je pensais mal dormir. En fait, j'ai passé une très bonne nuit de sommeil et je me suis réveillée en pleine forme. Pendant l'entretien, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. En attendant leur décision, je dois réfléchir. Suis-je prête à voyager si souvent, même avec un salaire aussi avantageux 16. Et ton entretien Comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu d'entretien, je ne savais pas comment bien m'y préparer. La veille, je pensais mal dormir. En fait, j'ai passé une très bonne nuit de sommeil et je me suis réveillée en pleine forme. Pendant l'entretien, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. En attendant leur décision, je dois réfléchir. Suis-je prête à voyager si souvent, même avec un salaire aussi avantageux Number 17. Ici, on protège l'environnement. Par exemple, nous allons avoir une zone piétonne car à présent, le bruit causé par la circulation est un problème. Avant, c'était les déchets que l'on trouvait au centre-ville. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plus de poubelles partout. Les habitants sont inquiets pour l'avenir. Ils sont sûrs que tous les espaces verts vont disparaître. Number 17. Ici, on protège l'environnement. Par exemple, nous allons avoir une zone piétonne, car à présent, le bruit causé par la circulation est un problème. Avant, c'était les déchets que l'on trouvait au centre-ville. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plus de poubelles partout. Les habitants sont inquiets pour l'avenir. Ils sont sûrs que tous les espaces verts vont disparaître. Number 18. D'un côté, l'école au Mali a fait pas mal de progrès en ce qui concerne l'augmentation du nombre de filles qui vont à l'école régulièrement. De l'autre côté, pourtant, il y a trop de monde dans les salles de classe qui sont très surchargées. 18. D'un côté, l'école au Mali a fait pas mal de progrès en ce qui concerne l'augmentation du nombre de filles qui vont à l'école régulièrement. De l'autre côté, pourtant, il y a trop de monde dans les salles de classe qui sont très surchargées. Number 19 Beaucoup de gens veulent devenir profs. Cependant, si la formation pour cette profession reste toujours aussi courte, la qualité des cours ne s'améliorera pas. Number 19 Beaucoup de gens veulent devenir profs. Cependant, si la formation pour cette profession reste toujours aussi courte, la qualité des cours ne s'améliorera pas. Number 20 Les résultats du bac, c'était comment pour vous, Sophie Je suis allée au lycée avec ma meilleure amie. Elle était sûre que ce serait une bonne idée d'aller voir les résultats ensemble. Mais pas du tout. C'était le contraire. Car moi, j'ai eu le bac. Mais elle, son nom, n'était pas sur la liste on peut quand même éviter cette situation. Les résultats sont aussi disponibles en ligne. Alors, vous pouvez les obtenir comme ça. Number 20. Les résultats du bac, c'était comment pour vous Sophie Je suis allée au lycée avec ma meilleure amie. Elle était sûre que ce serait une bonne idée d'aller voir les résultats ensemble. Mais pas du tout. C'était le contraire. Car moi, j'ai eu le bac. Mais elle, son nom N'était pas sur la liste. On peut quand même éviter cette situation. Les résultats sont aussi disponibles en ligne. Alors, vous pouvez les obtenir comme ça. Number 21 Et vous, Caroline Ce jour-là n'a pas été un jour très heureux. Ma mère ne pensait pas que j'allais réussir mon bac. Elle m'a demandé de répéter trois fois avant de me croire. J'en ai presque eu les larmes aux yeux. Number 21 Et vous, Caroline Ce jour-là n'a pas été un jour très heureux. Ma mère ne pensait pas que j'allais réussir mon bac. Elle m'a demandé de répéter trois fois avant de me croire. J'en ai presque eu les larmes aux yeux. Number 22 Et vous, Patrice Quand j'ai annoncé la bonne nouvelle à mon père, au lieu d'être fier de moi, comme je l'espérais, il a trouvé que mes notes étaient moyennes. Number 22 Et vous, Patrice Quand j'ai annoncé la bonne nouvelle à mon père, au lieu d'être fier de moi, comme je l'espérais, il a trouvé que mes notes étaient moyennes. Number 23 Et finalement, si vous avez échoué, il ne faut pas mentir à vos parents. Les parents savent toujours quand leurs enfants ne disent pas la vérité. Number 23 et finalement, si vous avez échoué, il ne faut pas mentir à vos parents. Les parents savent toujours quand leurs enfants ne disent pas la vérité. Number 24. Monsieur, le 14 juillet, qu'en pensez-vous Vous savez, je suis trop vieux pour faire la fête jusqu'au petit matin. Par contre, avoir la possibilité de voir des spectacles dans la rue, c'est quelque chose qui me plaît. Les feux d'artifice, ça m'intéressait quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, je trouve que c'est toujours la même chose chaque année. En plus, on dépense beaucoup trop d'argent. Number 24 Monsieur, le 14 juillet, qu'en pensez-vous? Vous savez, je suis trop vieux pour faire la fête jusqu'au petit matin. Par contre, avoir la possibilité de voir des spectacles dans la rue, c'est quelque chose qui me plaît. Les feux d'artifice, ça m'intéressait quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, je trouve que c'est toujours la même chose chaque année. En plus, on dépense beaucoup trop d'argent. Number 25. Nous informons notre clientèle que le magasin sera ouvert demain jour férié. Par conséquent, le magasin ouvrira plus tard. Number 25. Nous informons notre clientèle que le magasin sera ouvert demain, jour férié. Par conséquent, le magasin ouvrira plus tard. Number 26. Le lèche-vitrine vous a épuisé? Montez au dernier étage si vous voulez vous détendre. Numéro 26 Le lèche-vitrine vous a épuisé? Montez au dernier étage si vous voulez vous détendre. Number 27. Avec la carte du magasin, vos achats se transforment en points. Pour savoir combien de points vous avez reçus, regardez votre ticket de caisse. De temps en temps, vous obtiendrez des offres spéciales sur l'alimentation. Number 27. Avec la carte du magasin, vos achats se transforment en points. Pour savoir combien de points vous avez reçus, regardez votre ticket de caisse. De temps en temps, vous obtiendrez des offres spéciales sur l'alimentation. Section B. Questions and Answers in French. Numéro 28. Comme avec tous leurs albums, j'y suis déjà accro. Je ne peux pas m'empêcher de l'écouter sans arrêt. Numéro 28 Comme avec tous leurs albums, j'y suis déjà accro. Je ne peux pas m'empêcher de l'écouter sans arrêt. Numéro 29 ce qui m'a plu, ce sont les mots qu'ils choisissent pour parler de leurs émotions. La première chanson, par contre, je ne l'ai pas comprise. Numéro 29 Ce qui m'a plu, ce sont les mots qu'ils choisissent pour parler de leurs émotions. La première chanson, par contre, je ne l'ai pas comprise. Numéro 30. Moi, ça ne me dit rien d'aller les voir en tournée après avoir écouté l'album. Ça m'énerve de l'avoir téléchargé. Numéro 30 Moi, ça ne me dit rien d'aller les voir en tournée après avoir écouté l'album. Ça m'énerve de l'avoir téléchargé. Numéro 31 j'ai eu l'album comme cadeau d'anniversaire. Je trouve casse-pieds qu'ils chantent en anglais. Je pense qu'ils ont eu tort de faire ça. Numéro 31. J'ai eu l'album comme cadeau d'anniversaire. Je trouve casse-pieds qu'ils chantent en anglais. Je pense qu'ils ont eu tort de faire ça Numéro 32 Quand j’étais petite, je suis allée au mariage de ma tante. J'étais sûre de vouloir me marier, moi aussi. Puis, j'ai changé d'avis. Je crois que l'amour, c'est ce qui compte le plus, marié ou pas. Numéro 32. Quand j'étais petite, je suis allée au mariage de ma tante. J'étais sûre de vouloir me marier, moi aussi. Puis, j'ai changé d'avis. Je crois que l'amour, c'est ce qui compte le plus, marié ou pas. Numéro 33. Vous cherchez votre futur mari en ligne Pas la peine. La meilleure chose à faire, c'est de sortir. C'est comme ça qu'on rencontre son partenaire idéal. Numéro 33. Vous cherchez votre futur mari en ligne Pas la peine. La meilleure chose à faire, c'est de sortir. C'est comme ça qu'on rencontre son partenaire idéal. Numéro 34. Dans une boîte de nuit, un homme gros danse avec une femme mince et sportive. On dirait que l'homme va avoir une crise cardiaque, car il est très essoufflé. Comme j'ai été surprise, quant au dernier moment, c'est la femme qui se sent mal. Numéro 34 Dans une boîte de nuit, un homme gros danse avec une femme mince et sportive. On dirait que l'homme va avoir une crise cardiaque, car il est très essoufflé. Comme j'ai été surprise, quant au dernier moment, c'est la femme qui se sent mal. Numéro 35. Certaines publicités me rendent triste. Celle-ci m'a permis d'être bien informée, car j'ai appris pas mal de renseignements sur cette maladie. Numéro Certaines publicités me rendent triste. Celle-ci m'a permis d'être bien informée, car j'ai appris pas mal de renseignements sur cette maladie. Numéro 36. Félicitations aux gagnants de la semaine dernière qui ont vu leur vedette préférée sur grand écran. Des séjours à la mer sont à gagner jusqu'à vendredi. Il faudra acheter un maillot de bain avant de partir. Numéro 36 Félicitations aux gagnants de la semaine dernière qui ont vu leur vedette préférée sur grand écran. Des séjours à la mer sont à gagner jusqu'à vendredi. Il faudra acheter un maillot de bain avant de partir. End of test.